Eh bien ici, au château de Chambord, je prépare une émission spéciale sur Léonard de Vinci, un secret d'histoire consacré à Léonard de Vinci, qui sera diffusé à l'occasion du 5e centenaire de sa mort. Et on suppose évidemment qu'on lui doit l'escalier hélicoïdal à double révolution. C'est vraiment un personnage central de notre histoire, de l'histoire des arts. Et je ne pouvais pas imaginer un secret d'histoire sur Léonard de Vinci sans venir ici au château de Chambord. C'est vrai que Chambord est emblématique. D'ailleurs, sur les tickets de grattage du loto du patrimoine, on a mis l'image de Chambord en disant, voilà, pour un monument qui est connu dans le monde entier, combien d'autres restent à sauver? Et il y en a un certain nombre, y compris dans la région. Je pense que pas très loin, il y a la Selle Guénant notamment, près de Loches, qui a besoin d'être restaurée. Le portail est fermé parce qu'il risque de s'effondrer à tout moment. Et on est tous collectivement dépositaires de ce patrimoine. Ce n'est pas le patrimoine de l'État, c'est le patrimoine qui nous appartient à nous, Français. Donc c'est à nous de le sauver.